Bonjour à tous, Hervé Matou en compagnie de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match de coupe. Je suis tout heureux d'être là, mon petit Hervé. Ah ben oui. Tiens, mon cher Pierre, je cite vos propos tout à l'heure hors antenne quand on est arrivé. Vous avez prononcé cette phrase assez historique. Vous avez dit « Orso, c'est un Boston ». Ouais, et je peux te le confirmer maintenant à l'antenne. Orso, c'est un Boston. Alors on est en terrain connu avec la composition de cette équipe, Pierre, parce que le coach n'a pas envie de changer les bonnes habitudes, hein, visiblement. Je vois pas pourquoi il changerait, vu que ça fonctionne pas trop mal d'habitude. En tout cas, c'est un peu devenu la marque de fabrique de cette équipe. Voici la composition de l'équipe du Sénégal sur votre écran. Et on découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi. On va voir comment ces deux équipes vont se comporter en ce début de match. Et c'est souvent très révélateur pour la suite. Coup gâté. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il s'infiltre, attention. Idriss Agueil. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Bien, action dangereuse. Oh, il a failli le mettre au fond alors qu'il se trouvait dans un angle impossible. Il n'a pas choisi la facilité, mais bon, il a tenté et comme ça passe pas loin, ça peut l'inciter à recommencer. Le joueur a surveillé de près. Ah, comme finisseur, vous ne trouverez pas mieux. Hein. Ça peut. Ouais, bien joué la remise. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. C'est pas bien défendu. La frappe. Oh, l'arrêt du gardien magnifique. Ah, c'est incroyable Hervé, c'est un arrêt de handballeur qui vient de nous faire, super. Et ça file en corner. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Pas beaucoup d'espace, hein. Oh, la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il la mettait. Peut-être une bonne opportunité, attention.
Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Bay. Amin Gassama. Diafra Sako. Ils ont vraiment la main mise sur le ballon, ils le montrent. Les défenseurs qui vivent un véritable cauchemar. Ce dégagement qui file en touche. Youssouf Sabali. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Gaye. Idrissa Gueye. Touche dans le camp adverse. Diafra Sako. Gueye. Avec un tir. Oh, le poteau et le ballon qui sort. Ouais, la faute, mais ça joue, dit l'arbitre. Et tu peux toujours revenir à la faute si ça donne rien. Le défenseur qui stop net cette action. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Gueye. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Ouais, peut-être une situation intéressante là. La Amin Gassama. Ouais, la frappe. Non, c'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. La passe est interceptée, le ballon est perdu. La Amin Gassama. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ah, le ballon est touché hein, par le défenseur avant de sortir, ce sera donc un corner. Il n'est pas au mieux, hein, Sadio Mané. Depuis le coup d'envoi, il pourrait faire beaucoup mieux. C'est affligeant, il est d'une passivité incroyable à certains moments. Là, je ne vois pas comment il pourrait être décisif et faire basculer la partie en faveur de son équipe s'il montre aussi peu d'envie. Eh bien, ce sera sans grand danger pour le gardien, ce corner. Kalidou Koulibaly. Il s'avance vers la surface. La passe est interceptée. Koulibaly. Parvient à stopper cette offensive. Attention, il a du champ devant lui. Attention le tir. Oh, magnifique, le gardien bien joué. Corner, attention à ce coup de pied arrêté. Ballon boxé par le gardien. Le tir. J'espère que ce n'est pas ce qu'il a voulu faire parce que. Il a oublié son geste, il serait trop mal joué pour que ça donne quelque chose. Ça
attention, ça peut être dangereux. Parce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Les deux équipes qui se quittent dos à dos après 45 minutes de jeu dans ce huitième de finale. Ouais, j'espère que ça ne va pas jouer au péno cette histoire, parce que ça obligerait les joueurs à puiser dans leur réserve physique et mentale dès les huitièmes, alors que la route est encore longue. Allez, les deux équipes qui sont revenues sur la pelouse, c'est parti. Ça part bien, action dangereuse. La frappe. Le gardien qui gagne son duel face à la porte. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Alfred Ngaï. Et ça part très loin avec ce dégagement. Et l'attaque va s'arrêter là. Bon, il faut bien dire que dans ces 45 premières minutes, il a été plutôt moyen, hein, Pierre. Je trouve qu'il a été transparent, pas de but, peu d'occasion. Il attend quand même autre chose en grande période. Peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Ça domine. Le centre qui sort entre les gardiens. Tranquille. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Diafra Sakho. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Les changements demandés par l'entraîneur. Le corner. Ouais, du point, le gardien. Ouf. La défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. La passe était appuyée, mais le contrôle est bon. Les 30 derniers mètres. Ouais, impeccable, la récupération. Ouais, le centre, mais contré par le défenseur. L'entraîneur qui apporte du sang neuf à son équipe avec un changement. Ouais, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Yaya. Un ballon qui sort en touche. On s'approche de la zone de vérité. Le ballon dans l'axe. Attention, le gardien qui se détend parfaitement bien. Il pouvait prendre l'avantage sur cette action, mais c'est bien joué là de la part du gardien. Interception. Allez, la grosse occasion pour Sadio Mané. Oh, l'ouverture du score. L'ouverture du score. Oh, elle se sera fait attendre dans ce match. Le compteur qui est enfin ouvert, Pierre. Ouais, on aurait pu en voir quelques autres, mais jusqu'ici, les défenses ont pris le dessus sur les attaques. Ça explique cela. C'est un ballon très travaillé, avec une trajectoire qui ne laisse aucune chance à un gardien. Ouais, le buteur a mis suffisamment d'effet dans sa frappe, c'est superbe. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra.
Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Moussasso. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon, bien joué. Il lui rend, première intention. Ah, il perd ce ballon. Et il s'égaye. Sadio Mané. On s'approche du but. Ouais, la frappe. Le gardien qui repousse. Attention. Non, non, ça sort. Avec un changement à l'instant. L'entraîneur qui manifestement veut préserver ce résultat. Ouais, le contrôle est bon. 8 minutes, hein, c'est le temps qui reste à jouer. Ah, écoutez ça, Pierre, le score qui n'est pas favorable, mais lui qui croit encore. C'est normal, hein. Choisit la frappe. On a pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait. Gaïa. Allez, peut-être une bonne occasion. Entrée pour un petit pied. Le gardien qui nous sort un arrêt de grande classe. Allez, corner. Opportunité d'aller mettre ce ballon dans la surface. Et le tireur qui a vite. C'est dégagé du point. Et cette fois, c'est capté par le gardien. Le temps qui file dans ce match, la décision n'a toujours pas été faite. Oh, superbe sauvetage au moment où tout le monde voyait ce ballon au fond. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah, ils n'ont plus le choix, ils doivent marquer sur cette action. Voilà, c'est terminé à l'instant. L'arbitre qui vient de siffler la fin. Et voilà, c'est fini. C'est fini sur cette défaite. Un huitième de finale qu'ils auront mal négocié. On a vu un bon joueur aujourd'hui, hein. Sérieux, appliqué dans ce match. Bonne performance de sa part. En plus, son équipe gagne. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance.